C'est parti. Voilà, c'est une librairie que j'aime beaucoup, que j'ai connue grâce à une dame qui était un pilier de la librairie et à Perrois, que j'ai accompagnée parce qu'elle est devenue âgée et qu'elle ne pouvait plus venir seule. Mais je l'ai adoptée avec elle l'association qui sont les violons de la baleine blanche. Et elle a le mérite complètement bien insérée dans le 13e. Quand on est d'ailleurs comme moi du 14e, on est accueilli quand même. Ouais. Et elle a une belle histoire qu'on peut lire dans le livre de Sabine, dont j'ai oublié le nom maintenant. Comment s'appelle ça? Le temps des cocktails. Voilà. Le temps d'eau. Le temps des cocktails. Le temps des cocktails. Et qui a été donc à la fois engagée, à la fois une librairie qui est ouverte sur tous les livres intéressants. Elle n'est pas spécialisée complètement, mais elle a plein de richesses. Et on a beaucoup plaisir à y être. Et c'est une très très belle histoire. C'est une librairie que tu fréquentes depuis longtemps ? Depuis une trentaine d'années, quand même. Mmh. Voilà. Et que j'ai toujours autant de plaisir à aller, qui me ruine un peu parce que j'ai toujours envie d'acheter des livres quand chaque fois que je viens. Mais je ne suis pas obligée. Je fais avec plaisir et je trouve rarement. Merci. Jamais. Merci.